imaginer alors ce que c'est de passer les 4 mois d'hiver sans la moindre course. Nous sommes de retour à Melbourne, ville hôte du Grand Prix d'Australie. Météo couvert. Bon, ça a pas l'air d'être pluvieux. Il faudra voir s'il y a des risques de pluie pendant la course. Et puis, faut consulter également les pneus obligatoires sur le graphique. Suivi de Romain Grosjean. En ce qui concerne le reste de la grille, Gutiérrez, Rosberg, Grosjean qui part deuxième, incroyable. Magnussen troisième, Bottas quatrième. Et deux Red Bull derrière. On a Van Doorn qui part huitième, blague. Les Red Bull qui sont sur la troisième ligne. Raikkonen 16ème. Ah bah il a pas fait beaucoup mieux que nous le Kimi. Hein. Oh la vache. Oh putain. Bon alors. Pneu obligatoire, les softs. Affectation originale. On va se faire ça. Sachant qu'il y a quand même un risque de pluie en fin de course. Hein, donc, ouais. Mais je pense que ça sera peut-être déjà trop tard pour mettre éventuellement des inters. Donc je pense qu'on peut tenter cette stratégie-là. Donc on démarre en soft et puis voilà. Le carburant, de toute façon, tu peux le laisser comme il est de toute façon. Parce que Melbourne, c'est pas un circuit qui consomme beaucoup trop en essence. Donc voilà, il y aura d'autres circuits, on va dire. Par contre, il va falloir faire beaucoup plus attention au niveau de l'essence, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je peux pas supprimer le premier train de Super Soft. C'est bizarre ça. Je peux mettre des médiums à la place. T'as pourtant le choix des gommes de toute façon. Ouais. Ah voilà. Soft. Soft. Alors attends, après ça va être ça. Non. Je vais pas. Hop. Supprimer le train. Soft, soft et super soft. Ça m'a l'air pas mal ça. Ouais, deux fois les softs et puis une fois les médiums. Mais vu que les pneus, ils ont pas l'air de trop se dégrader avec le nouveau mode, je pense que tu peux même mettre deux fois les super soft. De toute façon, ça revient au même. Et on peut très bien faire carrément un seul arrêt sur ce circuit. Bon, on va tenter comme ça, on part avec les softs. Hein. Ouais. De toute façon, on la modifiera la stratégie en cours de course. Au besoin. Donc comme d'hab Angel, hein, tu mets bien les pneus en température dans ce tour de formation. Et pendant les 3 ou 4 premiers tours, pas trop d'attaque jusqu'à ce qu'ils soient véritablement dans leur fenêtre d'utilisation optimale.
Allez, bonne chance, Angèle, c'est parti. On a beaucoup de pilotes qui sont partis en super soft, hein, Angel. Tu as un beau tir groupé de 7 ou 8 voitures devant toi, Angel. Attention, Angel, elle prend pas trop de risques. On est qu'au début du Grand Prix. Si on peut déjà être à l'arrivée, ce serait déjà pas mal. En finissant la course, bien sûr. Grosse explication entre Raikkonen et Ericsson devant ça a tapé. J'ai vu ça effectivement et Ericsson il a beaucoup de chance de continuer la course. Mais je me demande si Kimi il a pas endommagé son aileron avant. De toute façon, continue à le suivre parce qu'il est plus rapide que toi étant donné qu'il est en super soft.
T'as un très bon lièvre devant toi. On va bien niveau adhérence avec les pneus. Ah oui, ça va bien. Il faudrait qu'ils se ressaisissent, Kimi, je suis plus rapide. Ouais. Alors à ce moment-là, la question à se poser, c'est est-ce que ces pneus ne seraient-ils pas en train de tomber en performance? Ah, dommage, t'as loupé ton freinage. On va faire passer une consigne là. Ouais, bah passe-le dès que tu peux, parce que sinon Stroll va s'envoler. Attention Angel à la réaccélération. On a vu la voiture qui a chassé. C'était dans le virage Niki Lauda. Les pneus arrière s'usent plus qu'à l'avant, Angel. Ok. Très attention au dosage à la réaccélération. Kimi dans les stands. Ouais. Donc les super soft, ils ont pas tenu très longtemps. Les leaders sortent en médium. T'en répètes, j'ai pas bien entendu là. Les leaders sortent en médium. Ah ouais, quand même. Théoriquement, ils pourraient même terminer la course avec ces pneus là. Mais est-ce qu'ils vont véritablement le faire? Pas convaincu.
user entered your channel. Bonsoir. Ouais, bonsoir Kali. Comment vas-tu? Bien et toi? Bon écoute, nickel. Salut. Salut Kali Bibi. Comment vas-tu? Ça va et toi, bien? Bah ouais, impeccable. Là on est concentré, là c'est le silence radio là, donc le chef est en pleine concentration, donc on va pas trop le déranger, hein, on repassera plus tard. Hein. T'inquiète. Non, bah bon. Ça fait un bail quand même. Ça fait un petit moment donné que j'ai pas fait un petit coup à mon petit Angel, donc voilà. C'est gentil. Bah, c'est normal, écoute. Alors, mode 2017. Et ouais. Il y a 2-3 correctifs qu'il va falloir que j'apporte pour la prochaine course, mais ça. Le volant, il est bugué sur la Ferrari. Oui, bah ouais. Je l'avais pris et ça m'a dérangé parce que moi je suis toujours vu cockpit. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu nerveuse à conduire. Hein. Ah, la Ferrari, toujours. Ah, faut véritablement avec cette voiture. Les joueuses. Avoir un pilotage très précis parce que le moindre. Le moindre geste brusque au volant ou à la réaccélération et ça se paye c'est très ça. Cher. Hein. C'est ça. Ça a grandi combien de tours, Angélique, que tu fais? 29 tours, là, 50%. Ah oui. On est en combien à peu près? 8e. Ah, oh, sale temps. Oui, encore un peu de tours. Hein. Ah, j'étais pas sur du multi, moi. Il y a un mec qui m'a gavé. Hein. On est parti sur une stratégie décalée qualifiée. Ouais, avec la stratégie décalée en pneu. On est en soft. Soft, et tu vas finir par les médiums à la fin? Non, parce que Angel, en fait, il a mis un mode qui permet aux pneus de moins se dégrader. Donc, ce qui fait que. C'est par rapport aux pneus de 2017, donc ce qui fait qu'il est tout à fait possible éventuellement de ne faire qu'un seul arrêt. Ouais. Donc, à voir. Le seul problème, c'est que Angel, il est. Comme il a encore un peu de mal à apprivoiser la voiture, il est sorti tellement de fois de la piste que. Bah, pendant les essais, qu'on n'a aucune idée véritablement de la Ferrari, je la connais bien. Durée des pneus. Très très joueuse la Ferrari. Faut jouer sur les vibreurs avec la Ferrari. Bah, Angel, il est allé plusieurs fois aux essais et plusieurs fois il a fini aux fraises. Hein. Ouais, j'ai vu tout à l'heure, j'ai fait oh là là, qu'est-ce qu'il fait Angel, c'est pas son habitude ça. Je connais sa conduite. Angel, non, il souffre clair. En fait. Angel, c'est quelqu'un de précis. Là, Angel, il souffre ce soir. Bah ouais. Alors, le premier Grand Prix Australie, c'est souvent le plus chiant, le plus dur. Alors, moi, j'ai fait le Grand Prix du Mexique, moi, tout à l'heure. Avec la Renault. Fait la pole. Ah, c'est vrai en plus. Elle a super accroché dans les virages. Ah, tu veux dire qu'elle a aimé le secteur 2 avec la portion DS et non et les le secteur virages 3 en avec S. Les stadios, c'est ça? Ouais, les virages en S, magnifique. À un moment donné, j'avais Rosberg derrière moi. À chaque fois, j'arrivais dans les virages en S, je les larguais. Thématique. Ah, mais par contre, il te rattrapait dans les deux grandes lignes droites aussi. C'est ça, donc j'en profitais vraiment dans les virages où vraiment je sais que la Renault l'accrochait. Donc à un moment donné, j'aurais mis 10 secondes d'avance. Je sais pas comment j'ai fait. Et en plus, j'ai fait la poule. Attention, Angel, là, tes pneus arrière là commencent à avoir une usure critique. Là. Le problème qu'Ali Bibi, si tu veux, c'est que Melbourne, c'est un circuit d'accélération et de freinage. Et, les pneus et là, on voit que les pneus arrière, ils s'usent beaucoup plus qu'à l'avant. Hmm. Donc, bah, c'est le train arrière souvent qui est pris. Hein. Après, c'est pour le deuxième Grand Prix, après. Bah là, ça sera, je crois, parce que si c'est 2017, le mode 2017, ça sera la Chine. C'est ça, donc en Chine, ça va être les pneus avant qui vont souffrir. Ouais, parce que. Surtout le pneu avant gauche.
Ouais, notamment avec l'escargot, les virages, et puis t'as les virages 7 et 8, là, qui est un enchaînement assez technique. Moi je l'aime bien dire, celui-là. Qui fait souffrir les pneus. Il y a le virage 13 en banking, avant la grande ligne droite d'un kilomètre et demi. Ça fait souffrir aussi les pneus. Et c'est un circuit qui consomme un peu plus en carburant qu'à Melbourne. Mais c'est pas le pire dans ce domaine-là. Là, je vais finir ma saison de chez Renault. Après, je sais pas qui je vais partir. Peut-être Force India, je sais pas, je vais voir. Bah, si tu peux prendre une bagnole avec un moteur Mercedes, t'en prive pas. Hein. Moi, j'aime bien les défis. J'avais pris Renault pour la première saison et je me suis dit, tiens, je vais prendre ça. Et puis, on monte les échelons au fur et à mesure. Peut-être rester chez Renault, je sais pas, c'est rien, je vais voir. Et je suis à quoi? Je suis à 18 points d'avance d'Hamilton. Ouais. Par contre, le début de saison, c'était catastrophique, clairement. Attends, excuse-moi un instant. Angel, ça va? T'arrives à tenir encore avec les pneus ou pas? Ouais, ça va, ça va. Ça te dérange pas trop, là, les pneus arrière, là, qui commencent à s'user? Un peu, mais Bottas est hors course. T'as été obligé de laisser passer Grosjean parce que lui, il est en pneu neuf. Il n'y a pas de safety car là? Virtual safety car, je rentre au stand, qu'est-ce qu'on met? On reste sur les softs. De toute façon, le pneu soft est le pneu obligatoire. Donc, Je trouve que la Ferrari est mieux en medium qu'en soft. Après. On l'a testé la Ferrari en medium et Angel il aime pas ça. Avec le mode, c'est plus pareil, hein, Cali, faut prendre en compte ça. Ouais. Aussi, c'est vrai. Excuse-moi. Pas de soucis. Bon, Angel, je vais te laisser te concentrer sur ta course. Écoute, ça fait plaisir que tu sois passé. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Cali. Hein. Il fait du Arma et puis un petit peu de F1 aussi de temps en temps. On va l'acheter sur F1 ce soir. Ouais, je crois que je vais faire un Grand Prix du Brésil. il fait pas mal de live aussi, donc allez faire un tour. Ah, je te remercie. C'est un ancien ami de longue date. C'est ça. Bah, ça fait plaisir parce que ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu d'ailleurs, Cali. Hein. C'est vrai. Ouais, je suis toujours là, je pense toujours aux autres. Bah, quand je peux faire coucou, je passe. Il n'y a pas de soucis. Bon, bah, Angel, je te dis bonne soirée. Et puis, bah, je te dis merde pour ta course. Hein. Ouais, merci. Allez, ciao, à plus. Ciao. Ciao Cali. Ciao. Bon allez, la relance, c'est fait. On est derrière Kiat, qu'on devrait arriver à passer avec des pneus plus frais. Je pense qu'on a bien fait d'anticiper parce que, les pneus arrière commençaient à véritablement avoir eu un taux d'usure critique. Tu vas être un peu mieux là. Par contre, je pense qu'on va finir la course avec les super softs. Attention au virage 4 de Angel. Ouais. Donc c'était pas loin. Non, juste au moment où tu disais en plus. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors qu'est-ce que t'as devant toi? T'as, je crois, Kimi. J'ai Kimi, j'ai l'impression qu'il y a Sainz devant lui. Et ouais, puis, j'aurais dit des Red Bull ou des Toro Rosso, ouais. Il y a Fernando, je crois, également. Il y a devant Kimi, c'est une McLaren, et après, il y a une Force India.
Ouais, c'est ça, c'est pour la McLaren, c'est Fernando, j'en suis sûr. On voit que devant Kimi, il n'arrive pas à se défaire de ce groupe-là. Ouais, il reste coincé derrière. À croire qu'avec ce mode, c'est plus compliqué maintenant de dépasser. Hein. Kimi rentre au stand avec la Force India. C'était Ocon. Il va peut-être passer en médium. Avec un peu de chance, peut-être le top 10, il est jouable. Surtout vu la position où on partait. Hein. Bonsoir aux personnes qui viennent d'arriver sur le chat. Bonsoir à tous. Et on est déjà au cap de la mi-course.
J'attaque un peu moins pour économiser de la gomme. Ouais. Attention, Angel, là, tu t'es un peu raté au virage Clark. Ouais, tu fais bien d'économiser de la gomme parce que peut-être qu'avec un peu de chance, on pourrait finir la course avec ces pneus-là. C'est pas impossible. Pour l'instant, là, c'est le désert devant toi, Angel. Ouais, Alonso, il est à 20 secondes. Ah, peut-être qu'il doit encore s'arrêter, va savoir. Par contre, t'as Felipe Massa qui est pas très loin derrière toi. Ouais, il sortait des stands quand je suis arrivé. Et il est sur la même stratégie que toi. Donc il a des pneus plus frais. Exact. Donc lui, il ira au bout également. Du moins, c'est ce que je pense. Jeff, t'as rien dit pour la météo? Que la pluie arrive. Mais il m'a pas donné de durée. Admettons que si elle arrive dans le dernier tour, il n'y a pas grand intérêt à mettre des intermédiaires pour un tour. Non, c'est sûr. Par contre, si elle arrive deux ou trois tours avant, ça se discute.
Et accrochage avec Massa. Dans gauche-droite. Aïe aïe aïe, ouais, je viens de voir ça effectivement avec le décalage. Ah, VFC. Accrochage avec Massa, alors j'ai pas compris ce qu'il a fait, il a coupé à l'intérieur. Ah, les pneus sont morts, Angel, à l'arrière. Va falloir les changer, passe en super soft. Les pneus sont morts. Suite à cet accrochage. Oh non. Oh non. Il pleut. Ah, elle arrive maintenant. Pour l'instant, hein, panique pas trop Angel, la piste elle est encore bien sèche et praticable. C'est encore un peu tôt pour mettre les impairs. Tu vois que la pluie s'intensifie, et tu me le dis tout de suite et on passe mettre les inters. Ok. Pour l'instant, c'est toujours praticable en slick là. Ouais, c'est. Ça glisse un peu. Hein. Va ça. Oups, attention, j'ai parlé un peu vite, j'allais te demander si ça accrochait avec toujours avec les super softs. Visiblement ça commence à être galère. Je serais d'avis de rentrer. Ok. Ouais, je vois des gouttes de pluie là sur l'écran. Ah ouais, box Angel. On va passer en inter. Il n'y a aucun pilote qui s'est encore arrêté pour mettre les inter. Hein. Non, peut-être quelques-uns devant, mais loin. Donc il y a possibilité de gagner encore du temps. Ah, chez Sauber, il faut rentrer pour mettre des super softs.
Ouais, et effectivement, c'était la bonne décision. Attention doucement, Angel. C'est glissant. Les pneus sont pas encore tout à fait en température dans ces conditions. Attention, on va pas trop sur les vibreurs parce que ils sont glissants. Il dirait que les pilotes en slick sont en galère, Angel. Ouais, ils sont tous dans les stands en train de changer les pneus. Je suis pas sûr d'arriver à temps jusqu'au stand. Ouais. Il faut dire que l'accro avec Felipe Massa ne nous aide pas beaucoup. J'ai peur que le retard soit effectivement en trop important au niveau là. Ouais.
le coup de raquette. Angel, tu nous ramènes la voiture à l'arrivée. Hein. Ouais. C'est tout ce que je pourrais faire. La voiture à l'arrivée parce que là c'est vraiment une course où on boit le calice jusqu'à la lie. Hein. Ouais, je suis désolé à toute l'équipe, je suis désolé. C'est clair que c'est pas le début de saison idéal. Hein. Mais bon, la saison passée, on n'a pas eu non plus un début de saison très facile, mais on a été beaucoup mieux sur la fin. Bon, on s'est fait passer par Hamilton, il nous a pris un tour, ça nous fera un tour de moins de course. Ça abrégera nos souffrances. Ouais. Bah logique, de toute façon, il aura été devant pendant tout le week-end quand nous avons été totalement absents. C'est clair que lors des prochaines courses en Chine et à Bahreïn, il va falloir... se réveiller. Ouais, on va dire que c'était la course pour apprendre. Ouais, sauf que chez Ferrari, après, il n'y aura pas d'autres périodes d'essai.
Non, c'est certain. Il faudra vite que ça revienne les performances parce que sinon c'est clair qu'on va être remercié très rapidement. Ouais, c'est pas des rigolos, comment dire, Maranello. Hein. Mais bon, sachant que Melbourne, ça a jamais vraiment été ta tasse de thé. C'est vrai. Voilà, la course qui se termine. Hamilton qui remporte la victoire. Et nous qui allons finir à la 15e place. Bon, bah, ouais, bah, on est désolé pour, comment dire, tous les viewers et abonnés. C'est clairement pas le début de saison idéal. Et comment dire, c'était un week-end de course véritablement difficile. Hein, on espère véritablement faire mieux lors des prochaines courses. Ah ouais, c'est clair. Donc, que là, pour le coup, on a vraiment pas eu de bol. Se ressaisir et. Et de toute façon, on pourra pas faire pire à Shanghai ou à Bahreïn. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement pilote. Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes. Alors donc, on a à l'arrivée Lewis Hamilton qui finit devant Romain Grosjean. Donc là aussi, il va falloir que je fasse des correctifs parce que c'est pas possible. Sergio Perez qui finit 3e devant Ricciardo, Alonso 5e, Verstappen 6e, Lance Stroll 7e, Magnussen 8e, Raikkonen qui finit du coup à la 9e place, Van Dorn 10e devant Massa, Sainz 12e, Esteban Ocon 13e, Kiat 14e, et derrière on avait Nico Hülkenberg, Pascal Wehrlein, Julian Palmer et Marcus Ericsson. Au niveau des abandons, on a juste les Valtteri Bottas qu'on peut déplorer, ouais, malheureusement. Et bon, les Manors qui sont disqualifiés, normal. Hein, c'est le même qu'à l'arrivée. Et pour les constructeurs, Mercedes devant As, Red Bull 3e, Force India 4e, Honda 5e, 6e Williams, on est 7e devant Toro Rosso, Sauber et Renault. Je compte pas Manor, bien sûr. Et donc voilà. Bah, il va y avoir quelques ajustements, hein, voilà, d'ici la prochaine course, vous inquiétez pas. Parce que là, les Ferrari étaient vraiment en dessous de tout. C'était vraiment abusé, hein, par rapport à... En fait, le jeu était... J'ai fait 2-3 changements, mais le jeu était mieux réglé quand on a fait le Grand Prix de Sochi la semaine dernière en 100%, qu'il ne l'est là aujourd'hui. Donc je sais ce qu'il faut que je modifie pour que dès la prochaine course, on se retrouve avec un jeu un peu plus... un peu plus cohérent, voilà. Donc bon, bah, au niveau du statut du pilote, on est un peu dans la merde, hein. Donc ça sent le sapin pour nous. Il va falloir vraiment que ça remonte parce que là, sinon, on va vite être remercié par la Scuderia. Et donc voilà cette course qui se termine. Bon, bah, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Merci à toi, Cyril, une fois de plus, d'avoir été présent. Mais de rien, Angel. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième manche de notre championnat du monde qui aura lieu. Alors, Shanghai ou Bahreïn? Alors attends, on va regarder parce que du coup. Que vu que c'est le mode 2017. Peut-être inverser l'ordre des courses. Je sais pas, j'ai pas vu s'ils avaient modifié l'ordre des courses. On va fermer les paramètres, on va regarder où on se trouve. Donc on sera à Bahreïn. Ok, donc ça sera à Bahreïn. Bah, donc, on tâchera évidemment de faire beaucoup mieux que ça et d'oublier un week-end de course qui, comme son nom l'indique, est à oublier. Voilà. Allez, bonne fin de soirée à tous. J'espère que vous avez passé quand même une bonne soirée en notre compagnie. On vous dit à très bientôt. Portez-vous bien, passez un bon week-end, profitez du week-end à rallonge.
Portez-vous bien et donc à bientôt. Salut à tous. Ciao, bon week-end à tous.